Voilà, c'est le petit check avant la dépression. C'est le petit moment qu'on a le bateau et moi où je vérifie. J'essaie quotidiennement que tout va bien. Et je lui dis combien je l'aime. Et je l'embrasse aussi. Parce que on a une telle relation tous les deux. J'ai tellement de la chance d'avoir ce beau bateau. On a une relation extraordinaire. Il est bienveillant avec moi, il a une force en lui extraordinaire, il a qu'une envie, c'est de terminer ce Vendée Globe, je le sens vraiment, il me fait confiance, il est, et moi je lui fais de plus en plus confiance aussi, j'essaie de l'amener plus loin. Je pense qu'il y a un côté aussi un peu magique, en tout cas mystique, il est celui qui, je pense, a redémarré le moteur quelque part. Ça relève du miracle. Mais pourquoi pas? Je pense que les grands instruments de musique ont un nom et une âme. Alors un bateau avec les centaines de personnes qui ont travaillé dessus, les milliers d'heures qui ont travaillé dessus, pourquoi il n'aurait pas une âme? En tout cas, celui-là, il en a une, je peux vous le dire. Et je suis tellement, tellement heureux d'être à son bord. On sait que tous les deux, on a besoin l'un de l'autre pour finir ce Vendée Globe. Et on travaille vraiment en équipe. Donc, je t'aime mon bateau. Mouah.